Je suis le secrétaire général de la Fédération des agropasteurs de Diander et je suis le président de la FENAP, Fédération nationale pour l'agriculture biologique. Et vous êtes dans la zone des agropasteurs de Diander qui est composée de 5 zones et qui œuvrent pour l'agriculture saine et durable. Ces 3 organisations qui sont la Fédération des agropasteurs, Endapronade et CIFRES, qui ont vraiment réfléchi dans le cadre de l'installation de cette éolienne au niveau de la zone de Diander. L'éolienne est un outil qui vraiment nous a servi pour le premier temps, sur l'allègement de beaucoup de choses. On utilisait des motopompes pour l'exor, pour retirer l'eau des puits. Et je sais que depuis l'installation de cette éolienne, on a senti que il y a un intérêt important qui s'est montré par rapport à l'utilisation. C'est-à-dire l'achat de gasoil qui était fréquent et qui pose beaucoup de problèmes et diminué. En plus de cela, il y a aussi la pollution qui est actuellement en train de se présenter au niveau des nappes par rapport au gasoil qui ruisselle dans les bas-fonds et qui est actuellement en train de détruire les terres. Donc, il y a énormément d'intérêt qui est en train de se montrer dans le cadre de l'utilisation de cette éolienne. Cette éolienne peut au minimum faire 1 hectare de production. Donc ça, on a senti un intérêt vraiment très grand par rapport à l'installation de cette éolienne dans ce périmètre. Avec l'installation du système goutte à goutte qui est alimenté par ce château d'eau que vous voyez devant vous, ce château d'eau, c'est celui qui déverse l'eau dans les goutte à goutte. Et goutte à goutte aussi, c'est un système qui est très efficace, qui diminue beaucoup l'utilisation de l'eau par rapport à ce système traditionnel qu'on faisait avec les seaux. Je crois qu'on ne doit pas penser à l'investissement, on pense à la valeur que cela peut apporter. Et comme je l'avais dit tantôt, avec l'éolienne, au lieu de faire une fois, on peut faire 5 fois plus. Donc ça dépend de la superficie dans laquelle on implante l'éolienne. Et je sais que si vraiment beaucoup de producteurs peuvent bénéficier d'éoliennes, je trouve que le développement de l'horticulture, surtout au niveau de la zone des Niay, serait beaucoup plus important. Parce que quoi qu'on dise, il y a assez de terre, il y a assez de milieux dans lesquels on peut travailler, mais il y a l'équipement qui fait défaut. Et on sait que l'éolienne doit être possible de pouvoir l'implanter dans toute la zone des Niay, mais plus particulièrement dans la zone de Diander, qui n'est pas très loin du vent marin. Et donc je sais que c'est intéressant et c'est rentable et les gens pourront le valoriser.